Du côté du territoire de Belfort où nous attend Yann Boucard. Yann Boucard, c'est le candidat Les Républicains qui a créé quelque part la surprise ce soir en l'emportant de justesse avec 300 voix à peu près, donc de plus devant Christophe Grudler du Modem. Un mot, qu'est-ce qui a fait justement ce soir la différence? Qu'est-ce qui vous a permis de l'emporter, Yann Boucard? Bonsoir. Bonsoir. Ben vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit que moi, je venais du monde du sport, qu'on perdait 2-0 à la mi-temps, mais qu'on pouvait encore gagner 3-2 à la fin du match. Ce soir, on a gagné au tir au but, grâce à la mobilisation extraordinaire de nos militants, de nos sympathisants, de nos amis, grâce à une mobilisation extraordinaire des abstentionnistes qui sont venus nous rejoindre, et grâce aussi à la volonté des habitants du territoire de Belfort d'avoir un élu de proximité à leur service dès demain. Vous allez être un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, Yann Boucard. Quel rôle, quel dossier vous voulez, de quel dossier vous voulez vous emparer dès le début de ce mandat? Bah, effectivement, je serai probablement un des plus jeunes et ça me permet de saluer celui qui m'a passé le témoin, Damien Meslot, qui a été un député extraordinaire du territoire de Belfort pendant 15 ans et qui a voulu jouer vraiment la carte du renouvellement ici et pas juste en parler. Je ne serai pas le député de la jeunesse, je serai le député de tous les habitants du territoire de Belfort et effectivement, je m'emparerai des dossiers qui ont un intérêt principal chez nous. Je pense évidemment à Alstom, je pense à Général Electric, je pense au taux de chômage qui est beaucoup trop fort dans notre département et sur lequel il faudra se positionner fortement. Yann Boucard, merci. Je le rappelle, vous êtes donc le nouveau député LR pour la première circonscription du territoire de Belfort. Vous succédez à Damien Meslot, LR également maire de Belfort, dont vous étiez l'attaché, l'assistant parlementaire.